Est-ce que vous apportez beaucoup d'importance au talent dans votre société? Comment ne pas apporter d'importance au talent, mon cher Philippe? C'est fondamental. Je veux dire, le monde ancien était fait de talent, le monde actuel est encore plus fait de talent, et le monde futur encore plus. Pourquoi encore plus? Parce que le foisonnement des technologies apporte un besoin d'excellence dans chacune de ces différentes branches. Et donc, pour des groupes industriels comme les nôtres, la notion de talent est une notion absolument fondamentale. Le talent, il ne faut pas confondre le talent et le génie. Pour moi, le génie, c'est une notion très artistique. Le génie existe dans la peinture, dans la littérature, dans la musique, pourquoi pas dans la cuisine, enfin dans tous les domaines artistiques, il y a du génie. Et le génie s'accompagne aussi du travail. Le talent, pour moi, c'est une notion un peu différente. Le talent, ce sont des gens bien formés, bien doués, et qui ont cette capacité à travailler, à vouloir évoluer, à travailler sur leur propre développement personnel. Et donc, je crois que c'est une notion très importante. Je ne crois pas du tout au génie dans le domaine économique. C'est-à-dire les activités industrielles, économiques, je ne crois pas au génie. Je crois au talent, et je crois surtout au travail. La valeur cardinale, c'est le travail. Donc voilà, je pense que le talent, c'est beaucoup de travail, et aussi d'être entouré d'un cadre qui vous permet une évolution personnelle favorable. Alors le Collège des ingénieurs est évidemment basé sur cette philosophie. Je pense que les relations que nous, dans nos entreprises, nous l'avons aussi basé sur cette philosophie. C'est la raison pour laquelle nous nous entendons bien. Et je pense que, il me semble que c'est aussi fondamental de comprendre que tout ne s'apprend pas. Il y a des choses qui se cultivent. Et le talent, c'est à la fois de l'apprentissage et de la culture. Et c'est l'addition des deux qui fait des gens magnifiques. Merci beaucoup.